À toi qui viens de t'abonner à Netflix, t'as tout notre soutien. T'as déjà tellement résisté. Tu pensais être plus fort que ça. Même les Stan Smith t'en avaient pas. T'étais sûr d'être anticonformiste. Mais comme tout le monde, tu t'es abonné à Netflix. Tu te sentais tellement exclu en soirée. Quand on te demandait Casa des Papels, tu connais. Comme un blaireau, tu affirmais. Bah ouais, c'est une petite maison en papier, non? Non, pas du tout. Bah si, bah Papel, non. Ça veut dire papier, hein. Non, je suis désolée parce qu'elle a Brosseau en quatrième, elle non. A dit que c'était papier. Elle est morte, ok. La la, la la. Ce temps est révolu. Toute cette culture à perdre de vue. La la. T'as déjà mis dans ta liste le documentaire sur le minimalisme. Mais une force maléfique pousse ton doigt et lance le documentaire sur Lady Gaga. Soudain tu percutes et lèves les yeux de ton écran. Ça sent fort la marée, c'est pire que le Morbihan. Y'a 3 semaines t'avais une copine mais t'es plus sûre du tout. Paniqué tu fouilles sous les 35 Deliveroo. 52 messages sur ta boîte vocale, 22 de ta mère, 30 de Monsieur Marshall. T'apprends que t'es convoqué dans 2 jours au tribunal. Et que ton père est mort de façon brutale. Ouh. Suite à une relation douteuse avec un cheval. Un gros cheval. Un gros cheval. Agar, tu lances Gossip Girl, t'en es quand même à la 12e saison. Le seul réflexe vital qu'il te reste, c'est de sauter l'introduction. À ce stade, mieux vaut appliquer la politique de l'autruche. La politique de l'autruche. Et rien de tel pour remonter le moral que des américaines qui se paluchent. S'inscrire à Netflix, c'est se mentir toi-même. Tu voulais engranger des connaissances, t'as perdu toutes les tiennes. T'es maintenant boulimique et insomniaque. Et grâce à Black Mirror, t'es même un peu paranoïaque. Va plutôt prendre un livre à la bibliothèque. Et ouvre ta fenêtre, ça sent le fennec. Et voilà les amis, si vous aussi vous voulez témoigner de votre détresse sociale, vous tapez hashtag les 30 glorieuses avec Sophie Imbo et Alexandra Deloire. Si vous voulez vous décoller de votre écran, n'hésitez pas à venir voir le monde merveilleux du Colibri samedi soir. Il n'y aura pas de gilet jaune, c'est une promesse. Et ce sera à la Comédie des Trois Bornes. Yes, Yacine Thomas, on fait un petit Netflix and chill. Je fais...